les enfants, konnichiwa. Est-ce que vous savez ce que je tiens dans les mains? À quoi cela sert-il? Qu'est-ce que je suis en train de faire avec? Je fais du vent. Quand il fait très chaud, ça fait du bien de faire du vent. Ça rafraîchit. J'évente. C'est un éventail. Je vous présente un éventail. Et nous en aurons besoin cet été. Je vous propose donc dans cette vidéo de fabriquer votre éventail. Pour fabriquer votre éventail, c'est très facile. Il vous faudra juste une feuille blanche et des feutres de couleur pour le décorer. Je vous propose d'ailleurs de réinvestir notre graphisme de la vague de Seigaiha pour faire un bel éventail typé japonais. Avant de commencer, petite anecdote. Au Japon, dans la rue, il y a des personnes qui distribuent des publicités. Vous savez ce que c'est que la publicité? Lorsque nous voulons vous faire acheter quelque chose, nous vous donnons un petit papier pour dire que ce produit est très bien. Ça s'appelle de la publicité pour que vous achetiez. Eh bien, au Japon, ces tracts publicitaires ne sont pas des petits papiers. Ce sont des éventails en plastique, car il fait tellement chaud que les publicités sont imprimées sur des éventails en plastique. Et dans la rue, il n'est pas rare de voir des gens garder les publicités avec eux pour s'éventer avec. Et ainsi, la publicité circule partout. Donc nous allons maintenant pouvoir décorer notre éventail avec une série de vagues de Seigaiha. Je vous propose de le faire de plusieurs couleurs pour avoir un bel éventail multicolore. Donc, je vous rappelle l'importance pour la tenue du feutre. Mettez bien vos doigts correctement, comme ceci. Pas comme ça, hein. Comme ça. Vous mettez votre feuille couchée. Voilà. Et on va commencer cette fois-ci en bas de la feuille. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on commence tout à gauche et hop, pic, je commence une série. Voilà, je change de couleur. Et l'intérêt d'avoir commencé en bas, c'est de pouvoir faire coïncider le pic avec le haut de la vague qui est juste en dessous. Je vous montre. Pic, j'atteins le haut de la vague qui est en dessous. Et je continue. Pic, pic. Voilà. Faites comme ceci jusqu'au bout en faisant coïncider le pic avec le haut de la vague du dessous. Attention que quand vous touchez la vague, vous remontez. Hein. Faites ceci jusqu'en haut de la feuille. À chaque fois que vous avez fini une série de vagues, vous changez de couleur pour que ce soit plus joli. Prenez votre temps, n'allez pas trop vite, on ne fait pas la course. Ma dernière série. Et voilà, maintenant que nous avons terminé les vagues de Seigaiha, nous allons pouvoir procéder au pliage de l'éventail. Donc pour procéder au pliage de l'éventail, vous allez prendre votre feuille, la mettre
debout et il va falloir plier un petit bout en haut. Sur environ cette largeur, c'est très bien. Voilà, une petite largeur comme ceci. Et on retourne la feuille et on fait revenir la même largeur de bande de papier dans l'autre sens. Et on plie. Et on recommence, je retourne ma feuille et je fais un pli dans l'autre sens. À peu près des largeurs équivalentes. Je reviens et je plie. Je reviens et je plie. Encore, et je fais ceci jusqu'au bout de ma feuille. Dernier pour finir. Et ça me fait comme un accordéon. Voilà. Pour l'éventail. Vous allez pouvoir ensuite ici resserrer et si vous avez une petite agrafe, un bout de scotch ou juste plier pour refermer la base de votre éventail. Et voilà, votre éventail est terminé. Vous êtes parés contre la chaleur de l'été qui arrive. Et voilà les enfants, j'espère que vous me ferez de beaux éventails. N'hésitez pas à m'envoyer les photos sur l'adresse mail de la classe. En attendant, je vous dis de bien travailler et à très bientôt. Au revoir, sayonara! Ah, ça fait du bien! I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got a year. Oh, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. I feel nice, a sugar and spice.